Hein? Je ne peux pas manger ça! Tina? Oh non! J'arrive, ma chérie! Tina a faim! Je dois faire quelque chose! C'est bon, je suis là! De mamie, c'est parfait! Il est temps de relever un défi! Je veux que vous fassiez un cupcake! Je commande généralement les miens à Paris! Je vous aime toutes les deux! Nous t'aimons aussi, ma chérie! Est-ce que je le fais bien? Attends, ça me donne une idée! Je ne peux pas perdre de temps! Je le pensais vraiment! Je garnis le plateau de moule à cupcake et maintenant les ingrédients, voyons ce que j'ai! Oh, ce n'est pas possible! Je me demandais où était passée ma glace! C'est délicieux! Mais j'ai besoin du bâton! Je vais le casser en deux et je vais le placer autour du moule! C'est quoi la suite? Je reviens vite fait! Hé, ça roule! Top là, mon pote! Tu as visité d'intéressantes bennes à ordures dernièrement? Tu vois ce que je veux dire! J'ai besoin de ton aide! Je t'échange ce joli cochon contre ton papier alu! Marché conclu! Merci, je t'en suis reconnaissante! À plus tard! J'ai toujours voulu avoir un animal de compagnie! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Je découpe des bandes de papier alu, ensuite je les roule en boule, je les place sur la partie supérieure du moule et maintenant je remplis les moules! Cette bouteille facilite grandement les choses! Ensuite, je les mets au four! Maintenant, je peux les retirer du plateau! Regardez-les, ils sont formidables! C'est tout ce que tu as? Vos cupcakes, madame, recouverts d'or, comme à l'accoutumée. Où est le glaçage? Je l'ai ici. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je n'aime pas la couleur. Attendez, je sais. J'ai besoin de quelque chose. Ma dent en or. Je vais l'ajouter au glaçage. Et je remue. Beurre dégueulasse. Ah, c'est beaucoup mieux. Il faut un glaçage doré. Ils auront l'air plus appétissants. Je vais l'appliquer sur les cupcakes. Ensuite, j'ajoute des copeaux d'or. Waouh, ils ont l'air incroyables. Qu'en penses-tu, ma chérie? Vas-y, goûte. Est-ce que je suis obligée? Je pense que je vais passer mon tour. Mes cupcakes ont été préparés avec amour et non avec des dents. Waouh, ils sont parfaits. Tu gagnes! C'est une blague? Wouhou! Regardez, je suis un mignon et j'aime les bananes! C'est vraiment bizarre! Comment tu as fait ça? Ah, ces bananes ont l'air chères! J'ai hâte de commencer! Oups! Aïe! Hé, c'est quoi ton problème? C'était un accident! Ça ne se reproduira plus! Ces petites choses sont bien glissantes, tu ne trouves pas? Aïe! Ma tête! Pourquoi est-ce que la pièce tourne? Tu me fais rire, mamie! Laisse-la, elle peut dormir. Je dois trouver quelque chose. Un instant, je crois que je sais quoi faire. Je vais placer les perles d'or dans cette centrifugeuse. Il me faut un verre, je ne veux pas en mettre partout. Et maintenant, je peux l'allumer. Waouh, regardez-moi ça! Du jus frais et doré. Peut-on faire mieux? Maintenant, je vais mettre des bâtons de glace dans les bananes et je les trempe dans le jus. On enduit bien, comme ça. Waouh, elles ont l'air délicieuses! Tina, j'ai terminé! Waouh, je n'ai jamais rien vu de tel! Mamie? Que s'est-il passé? Tu as déjà fini? Tu en dis quoi? Eh bien, c'est facile! Tu as gagné! Bon travail! Des bananes! Oh mon Dieu, je suis si heureuse! Ouais, ça me semble juste! Tout le monde aime les donuts, pas vrai? Je suis trop distinguée pour en manger, mais je vais essayer. Je les ai achetés en magasin. Mais je vais apporter quelques améliorations. Je vais ajouter de la crème sur le dessus. Et maintenant, la meilleure partie, je vais empiler les donuts les uns sur les autres. Je vais construire une tour. C'est le dernier, mais je n'ai pas terminé. Je rajoute de la crème au sommet. Ensuite, je saupoudre de bonbons. Comment rivaliser avec ça? Non! Oh, ce n'est pas grave, tu vois? C'est un désastre! C'est fichu! Ça me facilite grandement la tâche! Faut que j'y aille! J'ai ce qu'il faut pour relever ce défi! Où est-ce que c'est? Ah, le voici! Ça va certainement m'aider! Je ferai mieux d'y retourner! Aïe! Qui a mis ce mur-là? Vous n'allez pas croire ce que j'ai!
Je le gardais pour une occasion spéciale. Ne faites pas attention aux bestioles. Chaque donut a besoin d'un trou. Ah! Je savais que ces leçons de boxe seraient utiles. Ça ressemble à un donut, mais j'ai besoin de garniture. Ils seront parfaits. Personne ne saura que j'étais ici. Bonjour. Je n'ai jamais été là. C'était le crime parfait. Je vais ajouter de la crème autour du donut. Ça va être extraordinaire. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je mets un bonbon sur la crème. Je mangerai certainement ça. J'ai fini, Tina. Il a l'air mieux que le mien. Au moins, tu as essayé. Vous avez des styles différents, mais il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. Félicitations! Wouhou! Oh, waouh! C'est une beignette diction. Vous avez compris? Je n'ai plus de pop-corn. Voilà une bonne idée pour le prochain défi. Ah, ça va être facile. Je garde toujours un peu de maïs en cas d'urgence. Quoique, il ne reste plus beaucoup de maïs. Attendez, je sais qu'il y en a d'autres ici. Je vais le remettre avec les autres. Où ai-je mis l'autre? Je le nettoierai plus tard. J'avais presque oublié le maïs dans ma pantoufle. Ne faites pas attention à moi! S'il te plaît, ne fais pas ça. Je pense que c'est le dernier. Il est comme neuf. Ça sent le frais. Je le place dans la poêle et je mets le couvercle. Ça marche! Je fais du pop-corn. Je peux l'enlever maintenant. Je peux le mettre dans le sac. Du pop-corn frais et chaud. On a juste besoin d'un film à regarder. Hé, regarde! Je suis censée être impressionnée. Je dois râper ce lingot d'or. Je vais en saupoudrer les grains. Ça suffit. Augmentons la chaleur. Je vais vous montrer. Sentez cet arôme. Je peux maintenant le mettre à la cuillère dans le carton. Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma petite fille. C'est bon, tu as le droit d'être jalouse. Waouh, regardez-moi ça. Le goût est aussi bon que l'apparence. C'est si bon. Il n'y a rien de mal à manger du bon vieux pop-corn. Je crois que je sais qui a gagné. C'est toi, du pop-corn doré. C'était évident. Peu importe, je suis heureuse d'avoir de la nourriture gratuite. Voici votre défi, le pain. Oh, c'est facile. Je n'ai qu'à passer un coup de fil. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Tenez, un jeune homme si charmant. Oh, vous voulez votre argent? Voyons voir. Ouais, je prends ça. Je retire ce que j'ai dit. Il est impoli. Quoi qu'il en soit, ça en valait la peine. Vous vous moquez de moi? Hé! Où est le mien? Hé! Je sais que tu peux m'entendre. Oh, est-ce que c'était une pantoufle? C'était elle. Est-ce que tu en as pour moi? Allez, ne sois pas timide. Non, je n'en ai plus. Et je prends ça. J'en ai besoin. Je l'aimais, cette pantoufle. Bof, j'en trouverai une autre dans la poubelle. Est-ce que je peux terminer ce que j'étais en train de faire? J'ai besoin de cette pâte à tartiner au chocolat. Je l'étale au centre du pain et je mets une autre tranche de pain par-dessus. Je vais utiliser un verre pour découper des cercles, comme ceci. Maintenant, je peux les mettre dans un grille-pain. Il ne faut pas les laisser trop longtemps à l'intérieur. Ils doivent être dorés. Ils ont l'air extra. D'accord, c'est vrai qu'ils ont l'air bien. Je peux utiliser les restes. J'ai une idée. Mettons-nous au travail. Je place le pain dans un moule. Ensuite, je casse un œuf dans le trou. Maintenant, je vais faire monter la température avec ce chili. Il faut du piquant. Il ne doit pas être trop cuit. Je suis satisfaite du résultat. Tina, j'ai terminé. Oh, ils ont tous les deux l'air bien. Mais le mien est meilleur, n'est-ce pas? Regarde ce chocolat gluant. J'aime le chocolat. Une seconde, on pouvait utiliser du chocolat? Il faut que tu vois ça. Cet œuf est parfait. Et le goût? Waouh! Je ne sais pas. Vous gagnez toutes les deux. Waouh! Nous avons réussi. Qui a-t-il ouvert le cercueil? Pow! Hein? Je n'ai pas fait ce flash? Ouh, un délicieux bol de fruits. Les raisins, mon fruit préféré. Waouh, ils sont bons. Je vais essayer une pomme. Elle a l'air croustillante. Est-ce que c'est un verre? Et il me regarde droit dans les yeux. Je t'aurai. Ouh, il s'en est fallu de peu. Je suppose que je vais devoir opérer. Je ferai mieux de me préparer. On n'est jamais trop prudent. On commence. Voilà. Ah ah!
c'est là que tu es alors. Il n'y a pas d'échappatoire. Voyons, tu as quel goût? Étonnamment gélatineux. Et pas mal, ma vieille. Ouh, cette cerise a l'air savoureuse. Oh, je sais ce qu'il faut faire. Je verse un liquide gélatineux dans un moule. Je veux le remplir jusqu'au bout. J'adore la couleur. Ça va suffire. Je change de couleur et je remplis l'autre moule. C'est la partie facile. Je vais recouvrir le moule. Ensuite, je vais appuyer doucement dessus. Je fais pareil sur le second. Je m'assure qu'il est bien fermé. J'attends ensuite que ça prenne. Je pense que c'est tout. Je peux démouler les boules de gélatine. Elles sont douces et moelleuses. J'espère qu'elles sont aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Découvrons-le. Elles sont incroyables. Mes talents sont inépuisables. Non, je n'ai plus besoin de ces gants. Hein? Il doit pleuvoir des gants? Je peux peut-être utiliser ça. Oui, j'ai une idée. Je vais étendre le gant sur un verre. Ensuite, je le remplis de flux, mais pas trop. Maintenant, je verse du liquide gélatineux transparent. Je veux couvrir les fruits. Ça suffit, je ne veux pas que ça déborde. Je retire délicatement le gant du verre. Je vais pincer le bout. J'attends ensuite que ça prenne. Une fois que c'est fait, je peux enlever le gant. Il s'enlève très facilement et ensuite je peux le manger. J'attendais cette partie avec impatience. Ça me fait penser à Chose. Je suis contente que Chose ne puisse pas me voir. Oh oui! Est-ce une main comestible? Ça l'est certainement. Garde-moi le pouce. Ouf, il fait si chaud. Je suis en train de fondre. Ce n'est pas bon à mon âge. Heureusement, j'ai un mini-ventilateur. On ne sait jamais quand ça peut être utile. Bien vu. J'ai une bouteille d'eau. Hein? Elle est vide. Oh, c'est tellement injuste. Ouh, c'est intéressant. Ouvrons-les. J'espérais autre chose. Qu'est-ce que tu as? Regardons. Ouh, c'est pas mal. J'ai besoin d'une boisson rafraîchissante. Ça a fait mouche. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Un monstre! Détends-toi, ce n'est que moi. Tu m'as eu, mon pauvre cœur. On peut commencer. Bonne idée! Et j'ai une recette délicieuse en tête. Tout commence avec ce bonbon. Je vais le verser dans les bouteilles. J'utilise une couleur différente pour chaque bouteille. Il m'en faut juste quelques-uns de plus. C'est parfait. Maintenant, je vais ouvrir le soda. Bienvenue, les bulles. Je vais verser le contenu dans les bouteilles. C'est à ce moment-là que la magie opère. Il suffit d'attendre. Regarde, le liquide change de couleur. Le soda est rouge. Je fais de même avec l'autre bouteille. Et ensuite, je secoue les bouteilles. C'est amusant, tu devrais essayer. Tiens. Waouh, merci. Tu vas adorer. Les bulles me chatouillent la langue. J'aime bien cette partie. Comment est ta boisson? Est-ce que c'est une astuce? Attends, c'est incroyable. D'accord, c'est mon tour. Je dois juste penser à quelque chose. C'est plus difficile que je ne le pensais. D'accord, je comprends. Je verse le soda dans le verre. Je le remplis en entier. Ça va suffire. J'ai maintenant besoin de l'aide d'un ami. Je vais le presser rapidement. Donne-moi cette encre de qualité. Merci, mon pote. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, je le recouvre de crème. Ça a l'air bien. Le goût sera excellent. Ensuite, j'utilise le globe oculaire. Je le mets là. Oh, il me faut une paille. Examinons le goût. Miam, délicieux. Je t'observe et je suis très fière. Hé, nous nous sommes toutes les deux bien débrouillées. Non! Mon sandwich! Oh! Non, pas la mortadelle! Ah! Ah! Matthew, j'arrive! Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis non! Mon sandwich est fichu! Oh, mon chéri, prends ça à la place! C'est pas pareil! Et celle-ci? Je veux mon sandwich! Hein? Vous sentez ça? Waouh! Où sommes-nous? Aucune idée! Je suis perdue! Réveillez-vous et sentez les ingrédients! Hein? Attendez! Voilà! Bonjour! Bienvenue dans ce défi culinaire! Génial! Top là!
Ou pas? Qu'est-ce qu'on prépare? De la nourriture! Bien sûr! Que dirais-tu de nouilles chaudes? D'accord, j'en ai pour une minute! Une minute, hein? Et hop! Je prends cela. Hein? Prends-en de la graine. Pas de coquille dans le bol. J'ai des années de pratique. L'heure de la farine. Pas besoin de verre doseur. Ça m'a l'air bien. Et maintenant, ma partie préférée. Heureusement que j'ai encore la force. Fantastique! Oh! L'eau est prête! Chaud bouillant! Et maintenant, on attend encore un peu. La minuterie est réglée. Ouais, la consistance parfaite. Regardez-moi cette beauté, hein? Il faut bien fermer. Voilà. Maintenant, faisons chauffer les choses. Une fois que l'eau commence à bouillir, on immerge le sac. Et voici l'étape magique secrète. Les trous sont sécurisés. Regardez-moi ça. Bon, ça devrait suffire. Il est temps de les récupérer. Ils ressemblent enfin à des nouilles. Waouh ! Et voilà ! On les met dans un bol et le tour est joué. Ouf ! C'est prêt. Ah ! Ça sent très bon. On peut passer à l'étape suivante. Maintenant que la poêle est graissée, je peux mettre les nouilles. Regardez cette fourchette. Intéressant. L'essentiel est de les garder en tas. C'est bon pour l'instant. À tout à l'heure, les gars. Ça me donne une idée. Youhou! Ça devrait suffire. Mes deux choses préférées. La poudre de fromage et les nouilles. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Regardez cette couleur. On dirait qu'ils font très bien. C'est l'heure. J'espère qu'elles sont bien croustillantes. Go! Ah, elles sont superbes. Surtout avec tous les accompagnements. Qui a besoin d'un pain, hein? Tada! Ouh, regardez ça. Ça, c'est un burger amélioré. J'y vais. Délicieux. Exquis même. Et le plat de mamie? Bon appétit, mon chéri. Regardez-moi cette délice au fromage. Ça doit atterrir dans ma bouche. Et vous gagnez tous les deux. Vous êtes inspiré? Oh, du poulet, hein? Faisons appel à ma recette spéciale. Ha! Ouais! Vas-y! Oh, quel autoritaire! Le poulet, c'est l'élément clé, hein? Pas de problème! Je pense que c'est assez. Regardez! Du poulet croustillant! Ça a l'air super! On le pique avec la fourchette et on le plonge dans l'huile chaude. Ça y est! Il m'a l'air délicieux! J'assure! Mamie? Je commence tout juste, mais l'attente en vaut la peine, croyez-moi! Apportez les citrons, autant que ce soit mignon! Et c'est parti pour le four! Profite bien de la chaleur! C'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre! Je vais les prendre! Voilà un beau bronzage! N'est-il pas magnifique? J'ai vraiment faim! Tiens! Ça va être amusant! Le poulet frit est mon préféré! C'est bon! Fini! J'ai adoré! Maintenant, passons au suivant! Il a l'air rôti à la perfection! Miam, miam, miam!
Oh non, chérie! Phew, c'était incroyable! Bravo à tous les deux! Youhou! On a réussi! Oh! Oh, d'accord, j'ai compris. Je l'ai trouvé! Attendez de voir cette astuce. Oh, n'ont-elles pas l'air fraîches? Il suffit d'en mettre une à la fois. C'est vite rempli. Maintenant, l'ingrédient le plus savoureux. Ça met du temps à sortir, par contre. Il faut recouvrir toutes les baies. Je me demande comment c'est de nager dans ce truc. Enfin bref, fermons-la. C'est la fête là-dedans. Une fête violette. Super, mais j'ai ma propre idée. La voilà. Qu'est-ce que... Je n'ai jamais fait ça auparavant. Il m'en faut juste un. Amuse-toi bien, mon petit gars. Pas besoin de ça. Et voilà, c'est fait. D'abord, celle de grand-mère. J'adore la couleur. C'est délicieux. Oui. J'ai déjà bu ça avant. C'est ce que tu crois. Waouh! Surcharge de soda. Quelle mauvaise blague. Mamie gagne. C'était assez drôle en réalité. C'est quoi la suite? Eh, regardez. De quoi être euphorique, non? Compris. Que faire? Je vais utiliser ce truc génial. D'abord le chocolat. Fondu, bien sûr. Ça ne devrait pas être long. Voilà, ça va être génial. Je peux déjà sentir la douceur. Il a bien fondu. C'est parfait pour ça. Heureusement, je n'ai pas perdu la main. J'ai déjà faim. Et j'en ai fait juste assez. Ouh, c'est si bon! Je sais! L'œuf, bien sûr! Je prends ça! Je peux commencer! Oh, c'est prêt! Regardez ces merveilles au chocolat! Celui-ci! Maintenant, place à la garniture délicieuse! J'adore ces trucs! Il n'y en a jamais trop! Ensuite, on scelle avec un couvercle en chocolat. Et ce n'est pas fini. Ça a l'air plutôt gourmet, non? Et pour la touche finale, une belle touche de couleur. Ça vous plaît? Wow! C'est l'heure de la peinture au chocolat. Une fois fondu, ça fait l'affaire. Il ne saura jamais qu'il y a un œuf à l'intérieur. Après tout, il sera recouvert de chocolat. Oh! J'ai fini. C'est parfait. Ouh! Oups. Lequel manger en premier? Je parie que ce truc est plein de choco. Génial. J'y vais. Oh mon Dieu. Burk, ça a un arrière-goût bizarre. Mais celui-ci, il doit être bon. Le chocolat et les paillettes ne sont jamais mauvais. En plus, c'est grand. Oh ouais. Il adore. C'est mamie qui l'emporte. Je l'avais un peu vu venir. Oh, pourquoi est-ce que j'ai sauté le petit-déj? Il y a quelque chose de bon ici. C'est un nom. Attends, je vais appeler ma très chère vieille mamie. Je sais qu'elle m'aidera. Je fais la meilleure gelée de la ville. Et je donne les baisers les plus humides aussi. J'adore ma mamie. Et mon frère. Voyons voir. Quoi de neuf? Prêt à attaquer le goûter? Absolument! J'adore relever un bon défi culinaire! C'est parti! Waouh, génial! Quoi de neuf, la Mifa? Bonjour, chérie! Qu'est-ce qu'on fait, petit frère? Je veux de la glace! Oh, super! Je peux le faire! Peut-être juste un petit avant-goût! Est-ce que c'est de la vanille à la française? Ouais, c'est délicieux!
toi et ton appétit. À mon tour. Ah, le pouvoir d'une bonne cuillère. Regardez-moi cette beauté. Le cornet de glace parfait. Matt? Oh zut, je me suis laissée emporter. Dommage, mais attends. Hé, utilise ce truc. Je n'ai jamais utilisé de cuillère à glace avant. D'accord. Oh, c'est facile. Merci, mamie. Encore quelques cuillerées. Waouh, c'est une bête. Qu'en penses-tu, frérot? L'heure de la sieste est terminée. Je le fais sans plus attendre. Okidoki. Réveille-toi. Qui est là? Quoi? J'avais justement envie de glace. Ça te plaît? Elle est à toi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça va être bon. C'est de la myrtille. Bravo! Je savais qu'on allait gagner. Quelle est la prochaine étape, mon cœur? Voyons voir. Ouh, je veux des beignets. Ce sont mes préférés. Attendez, j'ai un appel. Bonjour. Oh, c'est gentil. Ouais, j'ai le temps. Ces gamins et leur smartphone. J'ai des beignets à faire. Il ne faut pas qu'ils soient trop fins. Ça se présente bien jusque-là. Phew, c'est vraiment épuisant. Mais regarde-moi ces résultats. Le cercle parfait. Ajoutons de la crème fouettée. Existe-t-il une autre façon de manger ces choses? C'est l'heure de la pile de beignets. Il n'en reste plus que deux. J'espère vraiment que ça restera en place. Oh là là, le suspense va me tuer. Hé, le temps est écoulé. Quoi? Oh non, j'ai besoin de quelque chose, vite! Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Ça a l'air bien réel, non? C'est sûr que c'était moins une. Mange, petit frère. Oui, ce sera le grand. Bravo, grand-mère! Je ferai tout pour toi. Et maintenant, celui de Matt. C'est mignon! Un peu caoutchouteux. Je n'arrive pas du tout à le mordre. Matt! C'est bizarre. Et c'est mamie qui l'emporte, évidemment. Ouais! Je dois dire que je l'ai vu venir. Je suis un peu nerveux. Je suis d'humeur à manger de la pizza. C'est ma spécialité. J'aime la pizza. Et ça commence par une bonne pâte. Aplatissons ce bébé. C'est un processus un peu laborieux. Waouh, ça a l'air bien. Maintenant, place au plaisir. Cool. Ouh, là, on arrive à quelque chose. Quelqu'un veut du pepperoni? C'est ma garniture préférée. Mais ce n'est rien sans le fromage. Beaucoup de fromage. J'espère que personne n'est intolérant au lactose ici. Je suppose qu'elle va au four. C'est déjà fini. C'est incroyable. Ça sent bon aussi. Rien de tel que la première bouchée. En y réfléchissant bien, je peux la rendre encore plus intéressante. C'est ce que j'appelle une assiette à pizza. Une assiette à pizza pour les fêtes. Non, une pile de pizza. Je pourrais continuer indéfiniment. De quoi mettre l'eau à la bouche, hein? Ouh là là! Waouh! J'ai du pain sur la planche. La farine, c'est parti. Je fais de la pâte à partir de rien, les amis. Allez, fouette, fais ce que tu as à faire. Et voilà. Ou peut-être pas. C'est plus difficile que je ne le pensais. Trop de cuisine, mamie. C'est l'occasion ou jamais. Elle ne s'apercevra même pas de sa disparition. Maintenant, quelques petits ajustements. Une tranche? Que diriez-vous d'une pizza entière? Tout est dans les bons angles. Tu vois, il y a une pizza entière ici. N'est-ce pas mignon? Ma bouche est vide. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est le plus beau jour de ma vie. Rien de mieux qu'une pizza fraîche. Du pepperoni. Plus, plus, plus. Il adore. Waouh, mamie. Qu'est-ce que c'est? Une pizza pour bébé?
Une seule bouchée? Bof! Je préfère celle de mamie. Ouh là là, c'est merveilleux! Prêt à cuisiner? C'est l'heure des hot dogs! Très bien! Ce petit pain est terriblement frais. Il manque juste le hot dog. Mais qui voudrait d'un hot dog ordinaire? Il faut de bons condiments, tu vois? J'ai quelque chose de bien mieux dans ma manche. Dites bonjour au pain extra large. J'espère que tu as super faim. Apportez les condiments. Ça a l'air tellement bon. Impressionnant, non? Waouh! Cette chose est massive. Donnez-les-moi. Par où commencer? On dirait un hot dog classique. Excellent rapport condiment saucisse. Maintenant, c'est au tour de ce vilain garçon. Incroyable! Vas-y, entre! Et c'est comme ça qu'on fait. Délicieux! Tu gagnes, frérot! Ouais! J'ai enfin gagné! Youpi! Ouh! J'ai le ventre qui gargouille! La récré est terminée! C'est l'heure du sandwich! Génial! Hein? Mon petit frère veut un sandwich? Je m'en occupe! Et voilà! Délicieux! Et j'ai mon skateboard! J'arrive! Oh! Il veut un sandwich! Heureusement que j'en ai toujours un sous la main! Dinde mayonnaise, je suis toujours prête. J'arrive. Je marche aussi vite que possible. Bonjour chérie. Petit frère. Waouh, ça a l'air super, merci. Et celui-là? Incroyable. Comment choisir? Dites-moi. J'ai une idée. On va organiser un défi. C'est parti. Prêt? Waouh! On va se régaler aujourd'hui! On est où? Mamie! Regarde, je crois qu'on doit les ouvrir! Oh, d'accord! C'est parti! Nutella, miam! Ouvre le tien! Ouais, tout de suite! Hein? C'est à peine visible! C'est minuscule! À peine suffisant pour une seule bouchée. Oh, dommage pour toi, mon petit. Que la fête commence. Oh là là. Je sais ce que je vais faire. Mon gâteau. Ouf, c'est lourd. Délicieux chocolat. Mais elle fait un gâteau? Pas moi, ça c'est sûr. Cette cuillère devrait faire l'affaire. Waouh, regardez cette texture. Je ne sais pas si ça va marcher. Tiens-moi ça. J'ai besoin de quelque chose de plus plat. C'est l'heure de se mettre au boulot. Je crois que ça va être parfait. Voilà. Et maintenant, on étale. C'est ce que j'appelle du bon travail. Il faut bien tout recouvrir. Fantastique! Waouh! Moi aussi, je voulais un gâteau. Eh ben, si c'est comme ça, j'ai une idée. Mon four Barbie. Et ma cuisine Barbie. Il faut que le pain soit bien grillé. Super! Du chocolat, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai besoin de ma spatule. La voilà! C'est exactement la bonne taille. Il me faut une bonne cuillère. Enfin, tout est relatif. Waouh, appétissant, non? Je n'y vois rien. Mais si, là, tu vois? Oups! Mamie! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Des lunettes au chocolat! Ça y est, on a terminé! Vous préférez lequel?
Voilà, c'est bon. Hé hey! Qu'est-ce qu'il y a? Les dames d'abord. Oh, les gosses. Oh, waouh, regardez ça. Waouh, ça a l'air bon. Quel plaisir pour les yeux. À mon tour. Waouh, mais je n'en ai qu'un seul. Un petit gâteau tout triste. Tu n'as jamais de chance, mon petit. Je dois décorer mes cupcakes. Commençons par le jaune. Il faut que je m'applique. Attention. Voilà. Quelle tristesse. Mais je vais quand même essayer. Pas besoin d'ustensiles. Ça marche très bien comme ça. Regardez. C'est magnifique. Hé, pas touche à mon gâteau. Non. Elle est toute petite. Je vais l'attraper. Jared? Regarde ce que tu m'as fait faire. Jared? Salut. Joli petit gâteau. Hein? Je ne parle pas aux mouches. Mon cupcake a mauvaise mine. Mais attendez. J'ai une idée. Je vais en remettre une couche. Et boum! Waouh, regardez-moi ça. Et maintenant, une troisième couche. Parfait. Couche numéro 4, s'il vous plaît. Boum! Waouh, c'est magnifique. Mais je n'ai pas fini. Voyons voir. Waouh, joli. Regardez-moi un peu cette œuvre d'art. C'est pas splendide? Comme dans une vraie pâtisserie. Et je l'ai fait toute seule. Pas mal, mamie. Pas touche. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Hé! On joue? Pierre, papier, ciseaux? Les ciseaux coupent la feuille. Ah, d'accord, tu as gagné. Voyons voir. Quoi? Rien? C'est pas possible! Oh! Oh, dommage pour toi. Moi, je crois que je suis bien tombée. Oh non, ma dent! Ou plutôt, mes dents! Bonbon de malheur! Bien fait pour toi. Ce n'est pas drôle. Bon, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il doit bien y avoir quelque chose. Alors, peut-être sous mamie. Vraiment, rien du tout. Quelle déception. J'en ai vraiment beaucoup. Je sais. Dans mon sac à main. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai de la farine et mon rouleau à pâtisserie. C'est parti. Super. Ne lésinons pas. Oh là là, on respire plus. Désolée, mon petit. Il faut que j'aplatisse tout ça. Magnifique. Maintenant, de la chantilly. Il m'en faut beaucoup. Ensuite, je dois bien tout mixer. Splendide. Et maintenant, amusons-nous. Voilà, comme ça. Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, je vais les attraper. Voilà, tout est bien organisé. Je peux créer un motif amusant. Ça va être joli. Hé, pas mal. C'est vraiment bon. Et voilà, regarde un peu ça. J'ai des bonbons au chocolat pour un bout de temps. Miam! Ça me donne une idée. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis ah! Ah! Et ça rentre. Attention, dans le mille. Sympa. À mon tour de t'en envoyer un. Ouvre bien grand la bouche. C'est bon. Troisième manche. Troisième manche. Qui ouvre en premier? Allez, j'y vais. Des œufs? On peut faire plein de choses. Je vais en casser quelques-uns. Je vais pouvoir faire quelque chose de délicieux.
Maintenant, un peu de chaleur. Et voilà! Ça commence à cuire, tu vois? Allez, à mon tour! Waouh! Mais qu'est-ce que je suis censée en faire? C'est du sérieux! Je crois que j'ai une idée! Et il faut que j'utilise un peu de scotch. Ok, c'est bon! Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Vous êtes prêts? Allons-y! Je vais appuyer dessus un par un, j'y suis presque. Doucement. Doucement. Super! C'est vraiment génial! Regarde un peu ça, mamie! Waouh! C'est très joli! J'ai décidé de faire quelque chose de coloré. Bien joué! Le mien aussi est presque terminé. Ça a l'air tellement bon, n'est-ce pas? Waouh! Très appétissant! Je suis d'accord. Lequel est le plus beau? Ils ont tous les deux l'air délicieux. Ouais, c'est vrai! Bonjour, chérie! Bonjour! Qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose pour toi, Betty! Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai quelque chose pour Tina là-dedans! Quelle ambiance! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah! Tu veux la jouer comme ça, hein? Quelle tension! Ça suffit! Arrêtez! Il n'y a qu'une chose à faire! Hé! Viens ici! Tu sais ce que tu dois faire! C'est l'heure des défis! Je suis prête! Regardez! C'est votre premier défi! Des pop-corn! D'accord! Ça devrait être facile! Une chauve-souris toute fraîche! J'ai cueilli ses feuilles ce matin! Et bien sûr, il faut du chocolat! Regardez-moi ça! Et enfin, des grains de maïs! Faut pas les oublier! Maintenant, un peu de magie! Oh, esprit! Je vous ordonne de souffler ce maïs! Toute cette énergie! C'est magnifique! Bibiti, bobiti, abracadabra! Pas mal du tout! Aïe! Mais qu'est-ce que... Faut que je les attrape! Mon gobelet est tout prêt! Qu'est-ce que je m'amuse! Tiens, elle a réussi! Ça devrait suffire! Ça a l'air délicieux! Bien joué! À ton tour! Tu vas y arriver, mamie! Psst! Hé! Hey! Je peux t'aider? Moi? Comment? Hé, hey, toi, la main! J'ai besoin de ton aide! Donne ces bonbons à mamie! Je compte sur toi! Ne me déçois pas! Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Merci, petite main! Ce goût de chauve-souris! Mais qu'est-ce que... Tu m'as trahi! Je vais te réduire en purée! Eh ben, elle se met vite en colère! Bon, j'ai une idée! Je vais mettre un peu d'huile dans la poêle, et puis j'ajoute les grains de maïs et les bonbons. Et je n'ai qu'à attendre que ça chauffe. Je vais mettre le couvercle pour que ça aille plus vite. Les grains éclatent et les bonbons fondent et les colorent. Ça devrait suffire. Voilà, quelle belle couleur! J'ai fini! Je n'ai jamais vu de si beau pop-corn! Dégoûtant! Les miens sont bien meilleurs! Ma mamie a fait des merveilles! Il faut qu'elle gagne! D'accord. C'est toi qui as gagné, mamie! Oh, moi? Merci! Vous avez bien mauvais goût! Ça croque sous la dent! Et maintenant? Ça a l'air bien? Chut! Pourquoi pas ça? Tu me tapes sur les nerfs! Celui-là! Votre défi suivant, du pain! Pas de problème pour moi! Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça sonne! Allô? Mais qui est-ce qu'elle appelle? Parfait! Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai plus qu'à attendre! Tiens, c'est allé vite! Hein? Ah oui, tenez! Gardez la monnaie! Quel gentil garçon! Voyons ce que j'ai là! Mais elle triche!
Eh ben, si c'est comme ça... Allô? Vous m'entendez? Je voudrais passer une commande. Waouh, quelle rapidité! Merci! Merci, mon gars. Encore là, hein? Top là, voilà. On se voit plus tard. Tu n'abandonnes jamais. D'accord, voilà. Ça devrait faire le compte. Quel voleur tu fais? Tu devrais porter un masque. Une bonne journée de travail. Voyons ce que j'ai gagné. Hein? Du charbon? Elle m'a pris pour un idiot. Hé, la vieille! Hé, toi! Tu veux voir quelque chose de cool? Ça marche à chaque fois. Mais c'est du vol! Il n'y a pas de mal. Oh oh, il est revenu? Salut, fiston! Attends, on peut discuter. Tu vas le regretter. Je me vengerai. Je ne veux pas être mêlée à ça. Il faut que je m'occupe de mon plat. Je vais mettre un chamallow entre deux tranches de pain. Et maintenant, je découpe un cercle avec un verre. Juste comme ça. Je plonge ensuite le pain dans l'huile bouillante. Il faut que ça soit bien doré. Croquant sur le dessus, fondant à l'intérieur. Je crois que c'est assez réussi. Quel ennui! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux peut-être utiliser ces restes. J'ai une idée. Je vais rouler le pain en spirale. Ça va faire comme un escargot. J'ajoute un bâtonnet pour que ça tienne bien. Ensuite, je plonge le tout dans le beurre. Il faut que ça soit entièrement recouvert. Et puis, je la mets dans le sucre. Voilà un goûter délicieux. Presque aussi exquis que moi. Qu'est-ce que tu en dis, Betty? Je suis complètement indifférente. Moi, je crois que ma mamie devrait gagner. Oh, comme c'est gentil! Pas de chance! Bravo, contente pour toi. Je me demande quel est le défi suivant. Je n'ai aucune idée. Oh, une pomme! Faites quelque chose avec ça. Quelle bonne idée! Il faut que je me prépare. Oh, je suis toute mignonne. J'adore le jardinage. J'ai la main verte. C'est tellement relaxant. Je vais planter cette graine. Et voilà! Il faut bien l'enfoncer. J'espère que tu as soif. Je t'ai apporté de l'eau. Tiens! Ça devrait suffire. Maintenant, je laisse pousser. Oh, c'est pas très rapide. Il ne se passe rien. Non. Rien? Hein? Je suis réveillée. Quel malheur! Allez! Voilà une vraie plante! Impressionnante, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Wow! Je m'en sers pour attirer les princesses. À moi, toutes ces belles pommes! Aïe! Bien fait pour elles! Voilà ce qu'il me faut! Et maintenant, au travail! Je place la pomme sur l'appareil. Et c'est magique! Pas besoin de s'embêter à appeler. Je peux me détendre en attendant. Et voilà! Mais je n'ai pas terminé. Il faut préparer la pomme. Je vais utiliser une petite cuillère. Il faut bien creuser. Ensuite, je mets des bonbons dans le trou. Et je passe à l'étape suivante. Voilà une feuille de pâte. Je vais en faire des bandes. Parfait! Maintenant, je vais recouvrir ma pomme avec. Il faut les poser par couches, comme ça. Et je n'ai plus qu'à la mettre au four. Il faut que ça soit bien doré. Ça a l'air délicieux. Vous allez vous régaler. Tu peux pas faire mieux. Mais où a-t-elle appris à faire ça? Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas quoi faire. Je vais perdre ce défi. Sa petite recette est insurpassable. Aïe! Mais attendez, j'ai une petite idée et une bosse sur la tête. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Un beignet? Je crois savoir quoi faire. Je vais d'abord couper la pomme en tranches. Et puis je la nettoie comme ça. Voilà une belle rondelle de pomme. J'enfonce un petit bâtonnet et je la plonge dans la pâte. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais la faire frire. Regardez un peu ces jolies bulles. Il faut que la pâte soit bien cuite. Ça doit être croustillant. Ensuite, je plonge le tout dans du chocolat fondu. Ça a l'air délicieux. Tout le monde adore le chocolat. Et pour finir, la garniture. Et voilà des beignets à la pomme. En plus, ils sont jolis.
Quelle délicieuse odeur! C'est dégoûtant! Bien joué, mamie! Bravo, tu gagnes! Ah! T'as entendu ça? J'ai gagné! Youpi! Regarde ça! On est vraiment différentes, mais d'accord. Pour le défi suivant, des saucisses. Délicieux! Qu'est-ce qu'elle mijote? Mon joli seau est un puits de ressources. Tiens, je l'avais oublié, celui-là. Un fidèle ami. Et regardez-moi toutes ces plumes. Attention, j'ai des allergies. Je vais me concentrer sur ma recette. J'ai un panier plein de bonnes choses, voyons. Voilà. Oh non, ma laine. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, je crois que je viens d'avoir une idée. Elle va voir de quoi je suis capable. Ça va lui faire une belle surprise. Je croyais que je t'avais perdu. Mais c'est un serpent! Surprise! Oh, quelle méchanceté! Reprends ça! Oh! Où suis-je? C'était qu'une pelote. Rends-moi ça! Ça y est! Je sais! Je vais mettre une saucisse sur la poêle et planter des spaghettis dedans. Il faut bien enfoncer les pattes. La saucisse doit se trouver au milieu. Ensuite, je mets le tout dans de l'eau bouillante et j'attends que ça cuise. Ça devrait suffire. Et voilà une belle assiette pour le dîner. Ça a l'air bon. Oh, tu te crois génial avec tes pattes? Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais arrête! C'est pitoyable. Ça va là-dedans? Voilà! Je l'ai trouvé. Je savais qu'il y avait une saucisse tout au fond. Tu dois être très fière. Je vais planter un petit bout de pâte dans la saucisse et puis ajouter du maïs. Je répète l'opération sur toute la saucisse. Il faut qu'elle soit entièrement recouverte. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et maintenant le pain. Je l'ouvre comme ça et je place la saucisse à l'intérieur. Et j'ajoute de la sauce. J'aime bien quand ça pique un peu. Plus c'est épicé, mieux c'est. Un vrai régal. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous laisse juger. Ma grand-mère l'emporte. Je suis d'accord. Super, j'ai encore gagné. Avec la mauvaise personne. Je suis une championne de la bataille du pouce. Et personne n'a jamais réussi à me vaincre. Oh, ce sont des pattes. Je les ai vues en premier. Laisse tomber, ma bonne vieille dame. Tu devras m'arracher le plat des mains. Allez, essaye! Tu es pas mal ennuyeuse, tu sais! Je l'ai eu! Ça va faciliter les choses! Je les verse dans l'assiette! Nana! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle était trop forte pour moi! Mais j'ai une idée! Je verse la farine dans un bol! Je n'ai pas besoin d'une grande quantité! Ça devrait suffire! Puis, je prends du colorant alimentaire! J'utilise la couleur verte, ensuite j'introduis l'œuf! Je mélange le tout. Je veux former une pâte. Ouf, c'est un travail assez dur, mais ça se présente bien. Je renverse le résultat sur la table. Il s'agit d'une vieille recette de famille. Il est temps de rouler la pâte. Je veux qu'elle soit belle et fine. Ça a l'air vraiment bien. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Je suis une pro de la cuisine. Maintenant, je vais ajouter des étoiles rouges. Je les ai également préparées à partir de la pâte. Je les abaisse au rouleau. Elles seront incorporées à la pâte, comme ça. Je dois maintenant tout couper. Je commence par faire de longues sections. Ensuite, je vais d'un côté à l'autre. Je fais de petits carrés de pâte. Ça devrait suffire, mais je n'ai pas fini. Je vais les rendre très spéciaux. Je les transforme en petits nœuds. Waouh! Attends, c'est toi qui les as fabriqués? Mes pâtes ont l'air bien ennuyeuses maintenant. Elles sont cuites et prêtes à être consommées. Mais il leur manque quelque chose. Je vais leur ajouter de la sauce au fromage. Ça leur donnera de la saveur. C'est de mieux en mieux. Il est maintenant temps d'ajouter la touche finale. Waouh! Elle est un génie culinaire. Ça a l'air délicieux. Regardez mes pâtes. Il n'y a rien à comparer. Attends une seconde. Le colorant alimentaire, c'est la réponse à tous mes problèmes de pâte nature. Je vais ajouter du colorant noir à mon assiette. Il n'y a jamais trop de noir. C'est ma couleur préférée. Maintenant, je vais mélanger le tout. Ça a l'air génial. C'est merveilleux. Je mangerai certainement ça. Mon plat a besoin de quelque chose de juteux. On ne peut pas se tromper avec des yeux frais. Je les ai choisis aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas mon genre de chose. Mais tu as bien fait. Je peux y goûter? Je ne pense pas. Au moins, j'ai essayé.